Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Ça. Ces amis ont Jacques en slow, autrement dit Black Slow. Jodia, moi senti très content pour me porter une vidéo ça pour. Dans la vidéo aujourd'hui, moi porter adresse ambassade Panama dans quelques pays. Haïti, Brésil, Saint-Domingue, Chili, etc. Donc, pas oublier déjà sur mes idées, by vidéo à un like. Et si vous pouvez vous abonner avec la chaîne, je vous conseille de faire ça kounya. Et le fin abonné, pas oublier de retirer le sous personnalisé, mettre le sous tout pour capable jouer toute vidéo à chaque fois que je poste sur la chaîne. Partagez la vidéo avec toutes les amis. Mais avant d'entrer dans le sujet vidéo, exactement, je vous remercie chaque nouveau abonné. Bienvenue dans la caille. Ok, dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous donner l'adresse ambassade Panama ou bien consul Panama dans quelques pays. Mais avant de porter l'adresse là pour nous, ou bien avant d'afficher toute l'adresse, je vais faire une analyse avec nous. Ce qui cause l'autorité Panama de venir avec des décrets et qui conséquence qui va gagner après des décrets ça fait. Ici, et le vol commencer, qui conséquence qui va gagner. Mais, bon, je pas oublier qu'il y a un paquet haïtien qui a quitté le Brésil, Chili, donc je ne pas connaître, qui prend route pour entrer au Mexique. Mais, maladie a été une cause, il a bloqué Panama City. L'arrivée à Panama, donc, il a commencé à faire des dégâts, faire des autres pour avoir un passage pour aller au Mexique. Mais on connaît, à cause des maladies, toutes les frontières étaient fermées, pas gagné et passage, dit tout. Mais ils ont fait le bois, on dirait qu'il y a mal passé, mauvais la vie dans le coin, ils ont pris la rue, fait des autres, crasé, brisé. Ça, c'est une cause qui fait M. Damio venir avec des crêpes. Mais qui conséquence des crêpes même? Conséquence pour nous, même qui vient pour nous voyager, ou bien pour nous, même qui vient pour nous passer Panama City, soit qu'on a sorti Haïti. Ou bien sorti Saint-Domingue pour aller dans l'autre pays, ou bien sorti dans l'autre pays pour aller à Haïti ou bien Saint-Domingue. Depuis qu'on a fait connexion et Panama City, ou déjà à victime des décrets. Parce que le décret est vraiment dégoûtant, est vraiment nuisible. Bref, qui ça vous dit dans le décret? Bon, faire une brève révision pour nous. Panama City dit n'importe quel monde qui a fait escale la Kaili, il doit gagner un visa transit. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui s'est passé ou passé pour pouvoir gagner un visa. Qui dit ou a sorti tel côté ou aller tel côté. Mais qui conséquence qui peut gagner pour moi qui devait acheter billet d'avion si tout le monde qui a passé par Georgetown. Imaginez bien, ou achetez un billet d'avion ou dit destination c'est pour Georgetown. Et mes Panama dit pour voyager, il faut pour gagner un visa. Mes visa. Destination là, il y a un monde qui peut jouer une lettre ou un papier. Il faut que mon résidé dans le pays, ça, par exemple, il faut que mon résidé à Georgetown. Et ou même qui paye mon Georgetown. Comment on fait jouer un papier qui sort de Georgetown pour faire des demandes visa, ça y est une conséquence. Et deuxièmement, est-ce que vous parlez maintenant de copio? C'est-à-dire, ça est difficile pour nous, non, bah, est-ce que vous parlez maintenant de copio? Jusqu'à maintenant, non pas abonné. Et pas oublier, tout passage qui devait venir avant, donc on croit que depuis 31 décembre, il y a eu un vol ou pas voyager sur lui, ou a perdu comme moi. Donc c'est ça, il prétend non pas abonné. Mes amis, ben là, vraiment nuisible, vraiment dégoûtant. Qu'on y a, il y a un groupe mon ou bien tous les journalistes ou bien tous les youtubeurs ont mis ensemble pour contester contre le décret ça. Nous faisons sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, donc côté n'a dit décret ça pas bon, non pas accepter le décret ça malgré n'est pas facile pour le défaite, n'est pas facile pour annuler, mais ça dépend des gens et quoi fait s'il arrive dans les oreilles. Autorité Panama, peut-être capable de retourner sur décision ou bien capable d'annuler
décret ça. Mais jusqu'à maintenant, nous avons continué de travailler pour nous aussi et voir au mieux pour nous aussi et que ça est capable de vivre dans nos oreilles. Ok? Ou même, continuer et parler sur les réseaux YouTube pour dire décret ça, pas d'avantage, non, non pas accepter avec décret ça. Donc, parler pendant et contester, respecter personnalité chaque citoyen. Ok, on entre directement dans l'adresse yo konye. Première adresse mwen pote pou nou, c'est adresse ambassade du Panama à Port-au-Prince, Haïti. Numéro yo adresse là c'est 157 rue Panaméricaine, Pétionville, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone yo c'est plus 509 28 13 12 95. Deuxième numéro de téléphone yo c'est plus 509 28 13 12 96. Téléphone fiction marronné qui c'est 28 13 12 14. Et c'est toujours le même numéro. Email yo c'est pana@haiti.commercial.yahoo.com. Ça c'est contact ambassade Panama en Haïti. Deuxième adresse moi pote pour non c'est adresse ambassade du Panama à Santo Domingo, République Dominicaine. Adresse yo c'est numéro téléphone nan c'est plus 1-809-685-36-65. Numéro téléphone yo c'est plus 1-809-685-36-65. Donc ou même qui c'est domaine pas bien qui en pile monde qui c'est domaine et c'est entrer en contact avec et messieurs dames ambassade Panama qui c'est domaine là pour nous connaître qui ça pour nous faire pendant nos saint domaine d'accord quitte ou même c'est pas ou t'a passé saint domaine ou bien t'es saint domaine longtemps et c'est entrer en contact avec yo et puis y a tout qui ça pour faire ou bien sous près yo tout ou capable passer dans bureau yo. Ok, troisième adresse moi pote pour nous c'est consul la générale du Panama Rio de Janeiro Brésil. Ok, mes adresses yo oui Figueiredo. Ok, donc nous même qui Rio de Janeiro donc on adresse là et numéro téléphone yo avec email yo qui plus important. Téléphone yo c'est plus 55 21 22 55 90 85. Deuxième numéro c'est plus 55 21 22 55 20 12. Essayez d'entrer en contact avec yo, relayez yo, mandez yo plus de détails et puis au même qui vient pour aller à Haïti, faut qu'on ait un visa et des Panama transit ou même dégager relayez yo pour capable et joindre visa ça pour descendre à Haïti ou bien pour aller Saint-Domingue pour aller dans n'importe quel pays ou pour aller depuis qu'on est à Fiscal Panama. Ça c'est adresse pour monde qui Brésil et ceci qui l'autre représentant yo et Brésil tout dans quelque autre ville m'a dit apporter pour nous bien si non besoin yo n'a mandé ni et puis m'a dit pour nous dans commentaire et pour monde qui Argentine yo mes adresse et numéro téléphone ambassade Panama en Argentine et numéro téléphone yo c'est plus 54 11 48 11 12 54. Deuxième numéro plus 54 11 43 15 58 55. Ou même qui Argentine entre en contact avec vous pour connaître comment ça y est en Argentine. On fait un coup de rivière Chili Santiago et numéro de téléphone c'est plus 56 2 22 18 13 87 pour monde qui Chili. Donc mes amis et c'est toute adresse à yo moins joindre sur internet là moins livrer nous.
Quand il y a rete pour nous relayer, écrire sur email ou bien sur téléphone pour nous demander plus de détails comment nous capable d'un visa Panama dans pays Kotoya. C'est un plaisir pour être avec nous. C'est des amis nous Jacques Anslo, autrement dit Black Snow. Moi toujours dis non ça toute vidéo mieux possible grâce avec Star agence de voyage. Et Star agence de voyage toujours chercher des informations qui bon pour nous et cap aider nous. Partagez vidéo ça avec toutes amis nous, c'est un plaisir pour être avec nous. C'est des amis nous Jacques Anslo, autrement dit Black Snow. Ciao ciao, à la prochaine.